Alors, je pense qu'on peut passer au quatrième round. Pour ce quatrième round, vous allez trouver des enveloppes sur vos tables. L'enveloppe numéro 1 et l'enveloppe numéro 2. Dans chaque enveloppe, il y a des mots dans le désordre avec lesquels vous devrez faire des phrases. Si je n'arrive pas à comprendre votre phrase, je pourrais vous demander de l'écrire pour moi. Vous avez 30 secondes pour faire vos phrases. Nous allons commencer dans le sens des aiguilles d'une montre avec l'équipe La Loire. Donc, équipe La Loire, s'il vous plaît, l'enveloppe numéro 1. Il s'incline devant Adèle. Il s'incline devant Adèle. Très bien, réponse correcte, bravo. Alors, l'équipe Astérix et Obélix, enveloppe numéro 1, s'il vous plaît. Joseph n'ose pas s'approcher. Bravo, Joseph n'ose pas s'approcher. Correct. Alors, l'équipe Tour de France, enveloppe numéro 1, s'il vous plaît. Alors, Tour de France, je vous écoute. Une onde de bonheur submerge Adèle. Bravo, une onde de bonheur submerge Adèle. Et enfin, la scène avec l'enveloppe numéro 1, s'il vous plaît. Je laissais les larmes le long de couleur ma joue. Alors, est-ce que vous pouvez répéter? Je laissais les larmes le long de couleur ma joue. Non, alors la correcte réponse est je laisse couler les larmes le long de ma joue. Alors, maintenant, nous allons continuer avec l'enveloppe numéro 2 dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Donc, nous recommençons avec l'équipe, la scène. Enveloppe numéro 2, s'il vous plaît. Alors, la scène, je vous écoute. Le directeur a donné nous rendez-vous à 8 heures. Alors, le directeur a donné nous rendez-vous à 8 heures. Alors, c'est le directeur nous a donné rendez-vous à 8 heures. Désolée. Alors, Tour de France, enveloppe numéro 2, s'il vous plaît. Tout le monde marchand ici. Oui, tout le monde marchand ici. Bravo. Alors, l'équipe Astérix et Obélix, enveloppe numéro 2, s'il vous plaît.
Mon père a bu d'un seul trait son café. Oui, correct. Mon père a bu d'un seul trait son café. Bravo. Et enfin, pour la dernière enveloppe, l'équipe La Loire, s'il vous plaît. Alors, La Loire, je vous écoute. Nous restons face à long moment à face. Alors, la réponse correcte est nous restons un long moment face à face. Désolée. Alors, le quatrième round est terminé. Nous allons donc vérifier les scores. La Loire, 20 points. Astérix et Obélix, 45 points. Tour de France, 35 points. Et enfin, la Seine, 15 points. Nous allons donc commencer le cinquième et dernier round de Kaléidoscope. Ce round est nouveau dans Kaléidoscope. Il a pour thème le sport. Ce sera donc un round avec le buzz. Il y aura 6 questions de sport basées sur des images avec des réponses multiples. Vous ne pourrez buzzer que lorsque j'aurai posé la question complète et les réponses complètes. Le premier à buzzer est le premier à répondre. Chaque bonne réponse rapportera 5 points. C'est parti, vous êtes prêts? Alors, première question. Qui est ce célèbre joueur de foot? Wayne Rooney, Francis Ribéry ou Mario Gomez? Tour de France? Oh, Franck Ribéry. Franck Ribéry, bravo. 5 points. Deuxième question. Qui est Fabien Barthez? Un joueur de rugby, un joueur de foot ou un joueur de handball? Qui est Fabien Barthez? Un joueur de rugby, un joueur de foot ou un joueur de handball? Alors, la réponse du public? Aucune idée, alors? Non, alors la bonne réponse était un joueur de foot. Un joueur de football. Alors, la prochaine question. Lors de l'Euro 2012, en quelle position, donc de football, l'Euro 2012 de football, en quelle position est arrivée l'équipe de France? Quart de finale, semi-finale ou finale? Alors, le public, une idée peut-être? Quart de finale, bravo, c'était la bonne réponse, quart de finale. Alors, la prochaine question a à voir avec le Tour de France. Donc, quel cycliste a gagné le plus de fois le Tour de France? Gino Bartali, Louison Bobet ou Lance Armstrong? Alors, la scène, je vous écoute. Lance Armstrong. Lance Armstrong, bravo, bonne réponse. Alors, la prochaine question.
Qui est ce célèbre joueur de tennis? Raphaël Nadal, Joe Wilfred Tsonga ou Lander Peace? Le Tour de France, je vous écoute. Joe Wilfred Tsonga. Oui, bravo, Joe Wilfred Tsonga. Alors, dernière question. Quelle équipe de France a simultanément gagné les Jeux Olympiques, la Coupe d'Europe et la Coupe du Monde? L'équipe de patinage artistique, l'équipe de basketball ou l'équipe de handball? Alors, le public, peut-être une idée? Handball. Handball, oui, c'était l'équipe de handball. Nous avons donc terminé ce cinquième round et nous allons voir les scores. Alors, la scène, 20 points. La Loire, 20 points. Astérix et Obélix, 45 points. Yeah. Et enfin, Tour de France, 45 points. Yeah. Alors, donc, nos deux finalistes seront Tour de France et Astérix et Obélix. Bravo. Merci aux deux autres équipes pour leur participation. Je vous dis donc à bientôt. Et pour la finale avec nos deux équipes, continuez à lire, à parler et à écrire en français, c'est le meilleur moyen d'apprendre une langue. Maintenant, il est temps de vous dire bye bye, à bientôt pour la finale. J'espère que vous avez profité de ce moment et j'espère bientôt vous voir pour aussi les autres kaléidoscopes en portugais, en konkani, en hindi et en marathi. Merci.